On a dit que nous comprenons l'approche et OPC, hein, qui c'est organisme de protection et du citoyen. C'est normal comme organe, comme qui dans la société, hein, qui dans la société civile là tout, et pour yo, qui sensible avec les droits citoyens. Mais on a dit nous, il y a un paquet de confusion qui gagne dans le processus de certification. Hein. Que y a des gens qui pas comprennent ni processus certification hein, c'est un processus qui est vraiment différent par rapport avec un processus qui a conduit un magistrat devant un tribunal disciplinaire. C'est deux concepts différents et malheureusement il y a une tendance à confondre. La certification c'est un processus que la loi prévoit dans la loi qui crée CSPJ. Hein. Côté que et CSPJ, à travers une commission, qui c'est une commission technique de certification, qui est composée de commissaires désignés par le ministère de la Justice et de commissaires désignés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et commission mixte a pour mission réaliser une enquête, ce qui a un double aspect, une enquête qui a un aspect académique, regardez. Et situation académique magistrat yo, est-ce que académiquement magistrat yo répond avec ça la loi exigée pour yo magistrat et yon l'autre aspect qui a rapport avec intégrité morale magistrat qui par en procédure et tant qu'on procédure devant tribunaux yo reproché comme quoi procédure n'est pas contradictoire ce que n'a dit nous mêmes qui c'est faux parce que les yo mené enquête sur magistrat. Ils ont rencontré les magistrats sous fait yo jwenn yo, sous fait CTC à jwenn yo, et ils ont mis les magistrats en face fait yo pour les dire ça le connaît ou pas. Et c'est après ils ont mené enquête là, étant des magistrats sous sa reproche, ils ont voulu un rapport par CSPJ pour sanctionner. Et CSPJ lié par rapport CTC à, et décision CSPJ à, au point de vue légal. Li sans recours. Ce que, et en pile, débat a fait sur question ça, mais nous-mêmes, nous liés avec l'OIO, et c'est vrai, nous comprenons et approche OPC ou bien approche l'autre organisme de droits humains dans la question, hein? Mais nous-mêmes, c'est, nous pas là pour nous faire la loi, nous là pour nous appliquer la loi. Bon, grande différence, les magistrats commettent une faute disciplinaire et qui a conduit faute ça à travers une plainte qui a conduit magistrat devant tribunal disciplinaire. La loi dit si CSPJ sanctionne magistrat ça, magistrat a une possibilité pour exercer un recours par devant la totalité des membres du conseil pour évaluer la première décision tribunal disciplinaire te prend. Mais en matière certification, la loi pas prévoit recours, c'est un processus qui fait et on mène une enquête comme je viens de dire tout à l'heure sur comportement magistrat, sur intégrité morale magistrat et magistrat avant que le conseil la sanctionne le rapport là, commission a questionné le souffert et dépendamment de réponse yo, commission a envoyé un rapport conclusion by CSPJ, conclusion ça lika en conclusion favorable tout comme lika en conclusion favorable et CSPJ lui-même gain entière et m'a dit autorité pour sanctionner rapport ça à travers une sanction de certification magistrat ou bien non certification magistrat. Bon, moi-même, je voulais éviter comme conseiller entrer dans question CTC relé ou pas et ce que nous connaissons, pas grand rapport qui vient de à moins que une seule situation qui permet de CTC par le magistrat. Si par exemple CTC a mené une enquête en question académique là, si diplôme magistrat soumet à CTC, lorsque CTC a fait démarche bon côté et institution, par exemple ministère de l'éducation nationale, le ministère a dit diplôme ça n'a même pas ça il faut ça qu'arrivé CTC a conclu à travers un rapport que magistrat ça a diplôme il faut et maintenant qu'a compté en ce qui a trait avec question qui a rapport avec intégrité morale magistrat, l'effort est difficile pour un magistrat de CTC à parler.